Hey, bonjour à vous, amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo. Non, je ne vole pas du tout une certaine intro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 avec la belle reine dont j'ai oublié le nom qui se tient jusqu'ici. Mais qui est moi, hein? Je suis là, je ne connais juste pas mon nom. Et mon mari Bling Bling qui brille, dont la couronne brille dans le noir. C'est incroyable. Et je suis en compagnie aujourd'hui de notre cher ami Favali. Bonjour Favali, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour la compagnie. Et n'oubliez pas, lundi, c'est ravioli. Voilà, alors. Voilà. Ça va me faire tuer un personnage un jour, mais c'est pas Mais l'intention de l'histoire. t'es bien trop puissant, ça va trop vite, c'est pour ça. Mais c'est ça, oui. T'avais une faction contre toi là, bizarrement. Oui, effectivement, une faction contre moi. Pas ton ancien fils. Mon ancien fils. Il est de ta famille. Ah, c'est mon demi-frère. Mais il est lunatique en même temps, mais c'était ça. Mais pourquoi il m'aime? Non, non, c'est pas celui-là, non. C'est un gars cupide, tempéré, content. Oui, c'est celui-là dont je parlais. Il n'y a pas de Il lunatique. est Lulu. Il est Non, non, lunatique. non. Parce que Mais t'as neuf frères et sœurs encore vivants. non, enfin oui, mais est-ce que vraiment c'est... Est-ce que ça a d'importance? Un peu. Voilà. Oui, ça en a, d'accord, mais au pire... Ça a l'air de passer. On va passer en vitesse 2, attention. Ah, non, Kyo, il a dû maintenir. Oh, il y a 2 jours d'écart. Il revient, il revient. T'es formidable. Non, pas ce gars-là, celui que je viens de me marier avec. Bon, Non, mais ok. je te parle pas d'un personnage en jeu, je te parle de moi en Ah, tant de que... toi, t'as 21, 23. Alors, 21 de diplomatie dans la vraie vie, 23 de martial, 23 d'intendance, Ah oui! 11 d'intrigue Ah oui! et 18 d'érudition dans la vraie vie. Ah oui, quand même, Sans être génie, ni même intelligent ou vif. Hein. Il est juste intendant. Comment ça, je suis pas vif? Je sais pas, est-ce que t'es vif, est-ce que t'as un trait de caractère? Si tu pouvais créer ton personnage, mais toi, comment tu serais dans Dragon Le Ball? meilleur. Meilleur, hein. À quel niveau de stress tu serais? maximal. Prêt à exploser? Ah, Bah mais Crusader Kings 3, c'est la vraie vie, tout le monde le sait. oui, Comme ça, évidemment. j'allais définir les gens maintenant. J'ai fini toujours les gens dans. Je rencontre quelqu'un, j'ai défini en mode Crusader Kings 3 avec leur trait de caractère. Et tu as parfaitement raison, parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux juger des gens, en fait. Du Qu'est-ce qu'ils veulent? Guerre sainte? Mais c'est même pas nous, c'est un gars qui est en guerre. Non, mais on m'a déclaré une guerre. Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui veut prendre ton titre. Oui, voilà, je... Voilà, un gars méchant. Attends. Oui, voilà. Le problème, c'est que t'as quand même 9 frères et sœurs, du coup, t'auras 9 guerres comme ça. Et déshérité. Et même si t'as gagné le titre, ils ont une revocation quand même pour le titre, vu qu'ils sont de ta famille. C'est ça. Ouh. Ouh, la fibre! La fibre! Oh non, trop de puissance! Cours, ton armée! Cours! Oui. Il a un ping d'écart! Non! Cours! Mais Oh putain! je pense que la guerre est déjà perdue. Le royaume du est perdu. Non! Non mais là, ils sont massacrés, oh là là! J'ai rejoint 40 guerres. Tu veux pas recruter les mercenaires maintenant là? S'il te plaît, pause. Ouais. On recrute des mercenaires à 100 balles. 100 balles. Merci de me le rappeler parce que je pense qu'on va en avoir besoin effectivement. Bon, les éléphants sont chers, donc on va se contenter par des éléphants bon marché. Des éléphants vont marcher. C'est-à-dire la piétaille. La piétaille, les 300 300 de piétaille qui coûtent 200 balles. Les éléphants de Lidl, quoi. Voilà. Aucun placement de produit n'a été fait dans cette vidéo, malheureusement. Aucun placement de produit qui rend service à qui que ce soit n'a été fait dans cette vidéo. Ah, mais j'ai la décision, mais je crois que je l'ai déjà fait. Ta religion, elle est domination masculine ou pas? J'ai oublié. Ok, bon déjà il y a ça.
Mais mon pays, moi, c'est partition tout court. Mes préférences masculines quand même. Donc ça veut dire que c'est que les enfants mâles hein, qui héritent. Hop, 44, tu peux faire pause et tu peux faire une paix blanche, si tu veux. Non, je veux les conquérir jusqu'au Tu veux bout. conquérir juste au bout? Allez, on fonce. En avant! C'est pas moi, c'est le seigneur qui a décidé de faire une guerre et tuer des milliers de personnes. J'ai pas. Oui, voilà. Let's go. Mais bien sûr, ce n'est qu'un jeu vidéo. Quoi? Ça n'influence pas du tout la réalité. Quoi? Je vais pas devenir empereur de France. Ah ouais, on voit des soldats! Non, je me retrouve tout seul! Kyo! C'est ainsi que Favali s'est retrouvé en tête de la bataille tout seul et a perdu tout son armée. J'arrive. Voilà, on est là. On est là ensemble jusqu'au bout de la vie. J'ai vu mieux. J'ai toujours demandé pourquoi en Inde ils vénèrent les vaches. Mais pourquoi pas? Sais qu'il n'y a pas de McDo là-bas. Un problème entre les vaches, Favani. Bah c'est un peu. Oui quoi? Tu as un problème contre la Normandie, Favani. Bah tu sais que les. Voilà, c'est exactement ça que je dis. Les Normands, ils sont pas très bien acceptés en Inde. J'arrive, je mets pause. Tu me permets. Je peux pas encore. Il faut avancer jusqu'au 2 juin. Ok. Quoi? La français juste 2 juin pour faire ça? Pour que j'aie l'autorité de la couronne limitée pour pouvoir récupérer du territoire. Par contre, l'Inde, la conversion des pays, elle est quand même vachement longue. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre le lieu saint. Et le seul qui est à côté de chez nous, c'est Multan, qu'il faudrait qu'on essaye de prendre. Mais t'as vu le nombre d'alliés qu'il a, le gars? Il a 15 000 hommes d'alliance. Je sais pas si ça gère rien, mais bon. Être C'est remboursé quand ça. j'aurai l'argent. Mais j'ai compris. Ah, parce que t'as pas d'argent! J'en produis 16 par mois, c'est pas que j'en ai pas, mais bon, je les ai pas encore. Moi, t'es sûr, avec quelqu'un qui. Les sujets. Ah, ça, c'est bien ça. Là, on parle. Là, Oui. là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Non, mais m'estorque pas, s'il te plaît. Membre de la cour distorqué, yes, parfait. Plus 30 de redoutabilité, vraiment, il y a que des bonnes choses. J'arrive! Ah putain, mais c'est à l'autre bout du monde! Je viens pas. Je viens pas en fait. Oh, les contrées sauvages sont-elles dangereuses? Si dangereuses. Oh non, le duc de Kaboul est mort! Par contre, tout le monde le sait maintenant, mais purée, mais pourquoi tout le monde me déteste? Pause, pause, pause. Il est seul. Il n'a pas d'amis. En avant. C'est la guerre. À l'attaque! Ah, c'est comme ça au Moyen-Âge, je crois quoi. T'as vu Game of Thrones? Ah, tu sais que c'est comme ça. C'est pas faux. Dès qu'il y a un roi qui meurt ou quelqu'un qui disparaît, clac, il profite de prendre le terrain. J'ai un hameçon contre le seigneur. Comment t'as fait? Bah, c'est la vie. Contre le Seigneur, c'est contre moi. Bah, en fait, j'ai converti à la sorcellerie et après je lui ai dit, c'est pas bien, t'es sorcier. Et voilà, un hameçon. Ah bon, Talent, écoute. talent, c'est tout simple. Mais il me semblait que tu pouvais pas reprocher aux gens d'être sorcier quand tu étais sorcier toi-même. Si, je peux même faire pareil pour toi. Et je l'ai en plus, l'hameçon contre toi. Oh mon Dieu. Talent, talent, talent. Et c'est affreux ce que tu me dis. Attends, je t'ai converti. Tu me dois un son. Autrement, je dis tout sur ce que t'as fait. Et toi, t'en as aucun sur le mien, sur moi. C'est ce qui est Les abusé. gens, de toute façon, je suis meurtrier. J'ai envie de te dire, en fait, les gens, le problème, c'est pas ce qu'ils pensent que ce que je fais. C'est ce qu'ils pensent que ce que je n'ai pas encore fait, en fait. Ils passeront plus de temps à énumérer les choses que je n'ai pas faites qu'à énumérer les choses que j'ai faites. Ce qui en soi parfaitement normal dans une vie humaine, finalement. C'est quoi? Non, j'ai rien dit. Laisse-moi avec ma tentative de blague de merde. Parce qu'il fallait rigoler. Ah! Ah! C'est fait. Merci, je crois. Harry! T'es pas convaincu, pardon?
Nani. Bon, j'ai 3000 hommes, c'est marqué que je gagne la bataille, mais en fait, je suis en train de la perdre. Ouais, c'est un concept. Ah mince. Il marque que je gagne la bataille, mais en fait, je la perds. Après, Kyo économise beaucoup d'argent, prépare la guerre. Ok. Et l'argent, ça pousse dans des territoires à zéro de contrôle, vraiment. Dans les palmiers. Honnêtement, ça vaut pas le coup. Ça pousse sur les palmiers, non? Je ne crois pas. Voilà, ça. Zéro pipe V majuscule. D'accord. Oui, pas de soucis. Ça va, c'est pas du tout bugué, Crusader King. Non, pas du tout. En fait, la partie va se... Ah, le pays perdra des terres contre mon vassal. Oui, mais ça va. Majestueux vassal, l'éducation de son fils, encore une fois. Ouais, d'accord, pas de soucis. Je crois que le sultan, il m'aime bien. Et là, je suis en train de fabriquer un hameçon contre Monseigneur Lich, donc... Est-ce qu'il peut tomber dans... Ça va rien changer. Le Seigneur Lich ne va pas l'aider, il est même pas dans notre royaume. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans l'Empire, toi, t'es vraiment séparé du reste... Il n'y a même pas de frontière commune, quoi. Je sais pas comment. Je mets la lecture. Mais si ça se trouve, ça marchera pas. Voilà. Comme ça, on recommence. Rue les gens. Hein. On recommence comme ça. Hein. Voilà, ça marchera pas. De toute façon. Un nouvel épisode. Accompagné de Kyo, de moi, de Kyo et de CK3. Et de Fabali aussi, on a oublié. Et de Kyo. Et de... Vous avez oublié. Et accessoirement aussi, le nom du jeu, si vous connaissez pas, c'est Crusader Kings 3. Enfin, que si vous connaissez pas, parce que bon, c'est pas comme si ça faisait. Si vous connaissez, nous, on, voilà quoi. Au bout d'un moment, faudra arrêter de nous embêter avec ça. Bonne question. Mais pourquoi tout le monde veut. Tout le monde, c'est la guerre quoi. Parce que en fait, si elle meurt avant qu'on ait pris le lieu saint, elle pourra pas réformer la religion. Ça paraît quand même dommage de mourir avant, quoi. Bah oui, c'est pour ça, faut qu'elle tienne encore au moins... Ah bah il est en guerre, le gars. Quelques années. Regarde, il est en guerre. Oui. Ça fait ça. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir aller dans son pays et... Et mes purées, mais... La purée, mes alliés, là, il a une guerre contre 4 personnes, quoi. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner. On se voit bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Favali. Au revoir.